Une minute, 38 secondes. Tu peux vieux, Harris. On peut faire moins. Vous avez une excuse? Une excuse, nous sommes trop lents. Manque d'énergie mentale. Hey, Nash, tu vas nous lâcher avec ton cire? J'essaie de contrôler mes ondes cérébrales. Tu peux pas contrôler quelque chose que t'as jamais eu, vieux, hein? Qu'en penses-tu, Flyboy? J'aimerais avoir ton avis. Ben, on s'en est plutôt bien tiré. Malheureusement, c'est loin d'être suffisant, mon gars. Au football, on peut se contenter de jouer pas trop mal. Et avec de la chance, vous arriveriez à remporter le match. Dans le boulot qui vous attend, vous commettez une seule erreur et la sanction tombera aussitôt. Vous ne vivrez pas assez vieux pour comprendre ce qu'est le clocher. McLean, Virginie. Service de renseignement du quartier général de l'armée américaine. Les impérialistes occidentaux nous menacent à nouveau. Le président des États-Unis a osé envoyer sa sixième flotte au large de l'Ocotte. La cause du peuple arabe est une cause juste. Ils ne nous arrêteront pas. Nous lèverons une armée. Nous serons des millions. Nous envahirons les pays de l'Ouest. Empêcher ce fanatique de continuer. Et comment? Débarrassez-nous de lui. Le temps est compté. Faites vite. Une république arabe d'Afrique du Nord. Un grand pas en éliminant la plupart de nos ennemis. Mais Kassa est encore en vie. Tarekhlou, Baidaza. Ah, Salim. Toutes mes excuses, je vous ai fait attendre. Mon frère, tu es souffrant. Mon docteur le pense aussi, mais je devais vous remettre ces documents en main propre. Tu as très bien fait. Laisse-les-moi et rentre chez toi, Trevoz. Il faut progresser avec une grande prudence. Ne pas ameuter l'opinion publique. Je crains que ce ne soit déjà fait. Les provinces du Sud ont été infiltrées par les partisans de Kassar et la presse étrangère est de son côté. Nos alliés en Asie n'apprécient pas du tout ce genre de publicité. Peut-être pourrais-tu t'arranger pour que nos amis pensent que Kassar a été trahi par ses propres hommes, Salim. Je sais ce qui ne va pas, je ne suis pas aveugle. Tu travailles trop. Je vais t'accorder des vacances. Merci beaucoup, Excellence. Il faudra frapper qu'à coup sûr, attendre l'occasion d'agir.
Et une fois que Kassar sera éliminé, alors le destin de tout le peuple arabe sera entre mes mains. C'est moi qui déciderai. Dis-lui de nous laisser passer. Il veut tuer Kassar à cause de nous. Nous devons le protéger. Mes meilleurs hommes sont en Europe. Parfait. C'est une mission pour eux. Je pars ce soir. Terrain d'entraînement des forces d'intervention américaines en Europe de l'Ouest. On va se marrer un peu. Tu pourrais te faire engager dans une entreprise de démolition. Oui, pourquoi pas. Le karatéka frappe et aucun méchant n'en réchappe. Thank you.
encore, j'ai pas forcé aujourd'hui. N'en fais pas trop, je préfère te garder en vie. Ouais, moi aussi, je vous aime, patron. Colby a besoin de nous. Mais c'est le patron. Je savais bien qu'on était sur un gros coup. Je peux le dire. Ouais. Vous êtes prêt à aller distribuer la bonne parole? Je suis prêt. Ça fait si longtemps que je ne m'en suis pas servi, je ne sais pas si je serai encore. Tu parles de ton flingue ou bien du reste? T'as le sens de l'humour, hein? Elle est bonne, mon pote. Ouais! On passe aux choses sérieuses. Fini la rigolade. Je vous ai gardé à l'abri. Jusque-là, oui. Mais on a hâte d'en sortir. Harris, vous et ces trois bons à rien que nous avons perdu tellement de temps à former, vous avez été choisis pour, disons, une mission très spéciale. Et elle est officielle, cette mission? Non. Officiellement, il ne se passera rien. Cette conversation n'a même jamais eu lieu. Vous avez vu? On dirait que quelqu'un va bientôt faire le grand saut et changer de plan astral. Tu peux le dire en français? Il y en a un qui va passer l'arme à vous. C'est ça? J'espère que non pour vous. Figurez-vous que votre boulot sera justement que ce quelqu'un reste en vie. Un homme qui a une liste d'ennemis qui ne viendrait pas sur l'annuaire. Un homme qui aura besoin du genre de protection que nous sommes les seuls à pouvoir fournir. Est-ce que ça vous tente? Vous savez bien que oui. C'est bien. Île Baléares, mer Méditerranée. Je suis obligé d'accepter leur protection. Je n'ai pas le choix. Croit-il vraiment que tu as envoyé quelqu'un avec l'ordre de l'assassin? C'est l'importance. Ça lui a fourni une raison de monter les gens contre moi et ça justifierait mon meurtre. Il ne te tuera pas, Cassa. Je ne crois pas, non. Mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Tu sais, Gamal, je me considère comme un homme d'une grande ouverture d'esprit. Bonjour, papa. La police vient d'appeler au sujet de ton discours. Ils ne veulent pas que tu prononces. Oui, ce serait plus prudent de ne rien dire. Oh, mais ça n'a rien de surprenant. Les risques doivent leur paraître trop importants. L'homme que tu as épousé n'a pas l'habitude de reculer devant le risque. Je sais. Mais je t'en prie, fais attention à toi. Est-ce que tu vas prononcer ton discours? Ton père fait toujours ce qu'il a décidé de faire, toujours. La salle, chef de la police veut te voir. Ah, la police, ça n'est jamais très agréable. Les vacances sont finies. Inspecteur Rodaguet, Monsieur Cassar. Alors, qu'avez-vous à proposer? Pour nous, la priorité est d'assurer votre sécurité. Pour moi, c'est le discours qui est prioritaire. Vous pouvez sans doute le repousser de quelques jours. Il n'en est pas question. Désolé. Vous pourriez donner une conférence de presse sur une autre île? Pas question de me dérober. Vous ne pourrez pas l'en empêcher. Inspecteur Rodaguet, allez-vous, oui ou non, me laisser prononcer mon discours? Je ne vous convaincrai pas. C'est parfaitement raisonné, vous vous rangez à mon point de vue. Allons-y, Diaz, on nous attend à l'aéroport. Vous savez, notre petite île était bien tranquille jusqu'à votre arrivée. Eh bien, mon cher, c'est une vie passionnante qui vous attend maintenant, grâce à moi. Je ne suis pas rassuré. J'ai l'impression qu'il s'attend pire. Peut-être a-t-il raison. Mais ça ne m'arrêtera pas, tu le sais. Thank you.
Après 5 minutes. Vous êtes là depuis 5 minutes et quelqu'un s'est déjà fait tuer. C'est un nouveau record. À la maison de mes parents. Ouais, tu prends tes désirs pour des réalités, ce père-là. Il y a des vies faciles partout dans cette île. C'est pas difficile, si t'es assez viril. Ça suffit, mon pote, je trouve ça débile. Là, t'as mis dans le mille. Docteur Cassar, vos gardes du corps sont arrivés. Vous êtes les meilleurs, à ce qu'il paraît. Puis-je vous présenter mon fils? Et ma femme, Roxana. Madame? Heureuse de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. De te revoir. Tu as l'air en forme. Comment va mon oncle? Il ne trouvera le repos qu'une fois que le traître sera passé en jugement. Bien entendu. C'est pour ça que tu es venu. Je ne suis pas venu seul. Les ennemis de notre révolution sont une épine dans notre pied. Nous devons agir très vite. Quand vas-tu frapper? Cassar commencera son discours sur la terre et le finira en enfer. As-tu pensé aux forces de police? Tu oublies que je suis un expert en ce domaine. Fais-moi confiance, j'ai tout envisagé. Même ça? Regardez bien. C'est sa protection américaine. Ils sont en ville depuis cet après-midi. Tant pis pour eux, je tuerai 5 hommes au lieu d'un seul. Commence.
Merci à vous, mes compagnons d'exil et de combat unis dans la même cause, la liberté. Dans notre pays sévit une curieuse maladie. Cette curieuse maladie n'est pas causée par la nature. Elle est causée par l'homme. Et seule l'action de l'homme saura faire reculer cette terrible maladie. Elle est plus connue sous le nom de dictature. Je dis que mon peuple a droit à la liberté, comme y ont d'ailleurs droit tous les autres peuples sur notre terre. Ceux d'entre nous qui veulent la liberté doivent trouver le courage de se battre au nom de tous ceux qui ne peuvent le faire. Tous ces innocents, hommes, femmes et enfants, qui sont sacrifiés chaque jour, nous devons nous battre pour eux. Nous battre pour cette cause qui nous concerne tous. La cause du bonheur de l'humanité. Notre peuple méprise ce tyran qui a imposé la dictature dans notre pays. Nous refusons d'agir selon sa volonté. Nous avons gagné les élections. Et quelle a été la réponse du tyran? Il a imposé l'état d'urgence. La loi martiale a été proclamée et il a essayé d'anéantir notre mouvement en nous menaçant publiquement de mort. C'est tout ce que cet homme a trouvé à répondre à la démocratie. Mais nous ne sommes pas vaincus. Nous n'accepterons jamais que... Restez là, empêchez-les de passer, tu m'as compris. Attends. L'ambulance va arriver. Attention! C'est bien que je vais le regretter, mais vous êtes libre. Je commençais à trouver ça chouette. Comment va Cassard? Sérieusement touché, il est à l'hôpital. Belle cible pour les tueurs.
Hé, hey, à part nous, il y a des mecs dangereux ici. Je vais juste vous renseigner, hein. Amenez-le-moi. On dirait que les heures de visite sont terminées. Hé, hey, patron, vous allez me faire relever bientôt. Quoi ? C'est le plus facile des boulots. Hey, il est trop facile. Je voudrais bien te mêler à l'action. Ouais. Ouvre bien tes yeux, mon vieux, ça va pas tarder. À tout à l'heure, je vois bien. Comment va-t-il? C'est encore trop tôt pour le dire. Il va guérir. Il va se remettre très vite, chérie. Tout va s'arranger maintenant. C'est l'homme dont je vous ai parlé. Entre, Amèche. Je te présente toutes mes excuses. Je n'échouerai pas la prochaine fois. J'accepte tes excuses. Mon oncle aussi les accepte. Lui as-tu parlé de moi? Naturellement. Il a donné des instructions pour te récompenser de tes efforts. Notre chef est miséricordieux. En effet. Amesh. Tu sais ce que dit notre chef? Le succès ne peut être assuré que si la récompense de l'échec est la mort. Allah! Le docteur Peña. Je peux voir votre carte d'identité. La vôtre aussi. Ah, allez-y. Tiens-toi prêt. C'est la chambre où elle garde. Docteur.
y a de bien avec vous, Harris, c'est qu'il y a de l'action. Kassar est sain, sauf. Pas celui-là. Comme ça, c'est équilibré. Comment ça va? Croyez en notre profonde gratitude. On a fait notre travail. Et merci de l'avoir fait si bien. Mais de rien. Tu dois te reposer. Non. Reste. Si je mourais... Tu ne mourras pas. Je respecte tes pouvoirs prophétiques. Le radar que tu as caché en toi quelque part, il est presque infaillible, je sais, mais au cas où cette fois il se tromperait, s'il m'arrivait quoi que ce soit, promets que tu continueras à ma place. Tu peux compter sur moi, c'est promis. Je suis fier de toi. Pas si vite. Oui, mais c'est une urgence. Je dois vérifier, attendez. Ici, Bala, à vous. Ici, Nash. M'amène un homme aux urgences. Quel est son type ethnique? C'est un blanc bec. T'es sûr qu'il n'est pas arabe? Il est plus pâle que toi. Mais pas aussi affreux. Eh oui, s'il l'était, je suppose qu'il viendrait pour de la chirurgie esthétique. Tu peux le laisser entrer, mon pote. Qui vous arrive? Je suis pas verni, je suis tombé. J'allais à mon rendez-vous chez le docteur. Il devait retirer mon plâtre. Votre plâtre? Ouais. Maintenant, je vais en avoir un à chaque jambe. Vos papiers, s'il vous plaît. On va regarder ce qu'il y a dans cette mallette. Voilà. Avec ce machin. Je découpe les plâtres. Vous savez, au Japon, les sensei arrivent à remettre une jambe en faisant ça. Sans anesthésie, sans rien. Tu me feras penser de ne jamais aller skier à Tokyo. Hein. Messieurs, je peux aller travailler? Oui, oui, on est payé à l'heure, nous aussi. C'est le docteur Newman? Oui. Vous pouvez entrer. Docteur, faudra prévenir le bureau pour qu'on vous laisse sortir. Non. D'accord. Faites vite. Harry Sennage, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Un accouchement et un gamin s'est démis le poignet. Un type s'est fracturé la jambe, ils vont lui mettre un plâtre. Doucement. Vous feriez exploser tout l'hôpital. Docteur, vous avez eu un patient avec une jambe cassée? Ça arrive souvent, il était déjà plâtré pour une fracture d'un côté, et son plâtre le gêne, il tombe et se... Il avait déjà un plâtre en arrivant ici? Oui, on est en train de... Suis-moi! Nash, tiens-toi prêt. Attention, il est encore là.
Bien reçu. Il me le faut absolument. Ouais, c'est comme si c'était fait. T'as entendu? Miguel? 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 Mon jour de chance.
Patron! Tire-toi de là en vitesse. Pas question. Très bien, Fabry. Dis-moi quel fil je coupe, le bleu ou le jaune? Le bleu, c'est ma couleur préférée. Tu viens nous sauver la vie. J'ai pas fait grand-chose. Si, tu nous as sauvé la vie. Ma couleur préférée, c'est le jaune. Combien de fois vont-ils recommencer? Ils vont essayer jusqu'à ce qu'ils y arrivent, et on dit que l'homme ne peut échapper à sa destinée, quelle qu'elle soit. Il peut repousser l'échéance. Vous avez une idée? Pour atteindre la cible, il faut la trouver. Il est en état de sortir? Demain, peut-être. Aujourd'hui. Je peux sortir tout de suite. Ici Nash. J'ai repéré trois voitures suspectes sur le parking. Et toi? C'est moins chargé de mon côté, mais il y en a quand même une. Le parking est bourré de voitures ennemies, patron. Je sais. Ils ont envoyé des hommes pour surveiller l'hôpital. On ferait peut-être le mieux d'annuler la sortie. Plus qu'à ça, restera ici, moi, il aura de chance de s'en tirer. Rameute les troupes, on sort maintenant. Les méchants. Il n'y a aucun signe d'activité de ce côté. Continuez d'ouvrir l'œil. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Avec un Américain à bord. Voiture 1, suivez-la. Entendu. On y va. Il y a aussi un Américain. Voiture 2, suivez-la. On y va. Voiture 3, suivez-la. D'accord. S'en va. Nous le suivons tout de suite.
Vite à l'hôpital. Suivez cette camionnette. Demi-tour, vite. Vous êtes perdu ? Commissaire, quelle surprise ! Excusez-nous de vous avoir gêné. Pas la peine de vous excuser. De toute façon, j'arriverai à destination plus vite que vous le croyez. Je vous le déconseille. La fin du voyage n'est peut-être pas loin. Oh, j'en suis persuadé. Pour l'un d'entre nous. D'apprendre que le docteur Moumar Kassar, qui avait récemment été victime d'une tentative d'assassinat, avait quitté Ibiza et s'était réfugié aux États-Unis. Le département d'État n'a apporté aucune confirmation officielle pour l'instant, mais il semble tout à fait possible que le docteur Kassar soit... Ça ne marchera jamais. De la démocratie. Il est fou allié, c'est d'ailleurs mais pas stupide. Salut, Vincent. Qu'est-ce qui vous amène ? Washington. Tout est là. Kassar est en danger à cause de nous, à nous le ressentir par tous les moyens. Par tous les moyens ? J'en connais un bon. Il faut faire la peau à cette ordure de courroie et je veux qu'on me confie cette mission. Jamais nous ne donnerons l'autorisation. On s'en passera alors. Tant pis, j'en ai marre de jouer les gardes du corps quand c'est pas les gardes malades. C'est pour ça qu'on te paie, non ? Tu devrais t'y faire depuis le temps. Pour l'instant, il faut garder Kassar et sa famille à l'abri. L'ennui, c'est que sa femme nous donne du fil à retordre. Elle va vendre la parole en public. C'est la cible idéale. Je compte sur toi, il faut l'empêcher de s'exposer. Facile à dire. Kassar est encore de ce monde, mais il est blessé, très gravement touché. Il est vivant ! Je déteste la convoitance ! Calme-toi, nous avons tout notre temps. Kassar est toujours sur cette île. Ce serait trop risqué pour eux de le faire voyager. Mais je ne sais pas où il est ! Aucune importance. C'est lui qui viendra à nous. Il viendra à nous de sa propre volonté. Fais ce que tu crois être mieux. Mais cette fois, n'échoue pas. Dans notre pays, je sais qu'il est encore courant de penser que les femmes ne devraient pas se mêler de politique. Que comme les enfants, il est bon de nous regarder et non de nous écouter. Mais j'espère que lors de notre prochaine révolution, les femmes oublieront à jamais leur voile et leur vœu de silence
et qu'elles se battront en première ligne pour obtenir la liberté. La liberté pour leur mari, pour leurs enfants et leurs amis. La liberté pour leur pays qui subit la loi d'un dictateur. Un seul homme ou une seule femme à qui l'on refuse encore le droit au bonheur, à qui on refuse le droit à la liberté. Qu'est-ce que Confucius aurait dit s'il avait vu ça? Non, mais je meurs d'envie de le savoir. Un enlèvement? Oui. Hassan et Roxana? Oui, monsieur. Quand? Cet après-midi. C'est de ma faute, j'ai pas été à la hauteur. Aucune excuse. Eh, moi aussi j'étais là, vieux. On peut pas vous laisser une seule minute, hein? J'aurais voulu t'y voir. Mais là, les gars, c'est pas le moment. Koura détient Roxana et son fils. Il est prêt à les relâcher aussitôt que vous accepterez son invitation. Quelle invitation? Je sais que notre grande nation connaît une période de troubles, d'agitation. Quand on dirige un pays, on doit être prêt à tout pour garder la foi de son peuple. Aujourd'hui, mon peuple réclame un changement. Très bien. Mon peuple réclame le retour de Kassa, gouvernement de son pays. Ma réponse est qu'il revienne. Je l'accueillerai comme un égal. Kassar, tous les deux, nous mènerons notre peuple aux plus hautes destinées. Nous t'attendons. Je vais y aller. Vous serez mort avant de poser un pied par terre. Vous courez au suicide. Mon vieux, vous ne vivrez pas jusqu'au Ramadan. Je vais l'accompagner. Personne n'ira nulle part. Monsieur, souvenez-vous d'Aquino. Je m'en souviens très bien et je sais aussi que sa mort a sonné le glas de la dictature de Marcos. Attendez. Écoutez. Mon fils et ma femme sont à la merci d'un malade mental. Je n'ai pas le choix, je dois aller là-bas, l'affronter, essayer de le manipuler. Je dois tenter ma chance. Laissez-moi 24 heures pour trouver un meilleur moyen. Quel meilleur moyen? Comptez sur moi. Je vous préviens, nos invités sont dans des résidences séparées. Si jamais vous tentez de libérer l'un des deux, l'autre sera immédiatement exécuté. À vous. Laissez Kassar leur parler au moins. Je sais quelle est votre impatience. Voilà le garçon. Allô? 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 Papa? Hassan? Ils ne t'ont rien fait. Ne viens pas ici. Ne viens pas. Il faut faire ce que tu as décidé de faire. Comme toujours. Écoute-moi, écoute-moi, Hassan. Tel père, tel fils, rebelle jusqu'à la fin. Il veut parler aussi à sa femme. Je l'ai déjà dit. Elle est dans une résidence séparée. Oh, bien sûr, il pourra entendre sa voix. Mais pour chaque jour de retard de votre côté, l'un des fidèles amis de Kassar mourra. Non, arrêtez, Koura. Désolé, mon cher. Le chemin qui vous attend va se révéler bien plus dangereux que vous ne l'imaginiez. Et pour vous montrer que je ne plaisante pas, Ahmed Gamal mourra précisément dans une minute.
votre mari. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous descends. Allô? Roxana, t'ont fait du mal, chérie? Non, je vais bien. Tu as parlé à Hassan? Il n'a rien, tu sais, il est brave, notre fils. Oui, je sais. Toi aussi. Et si jamais il nous arrivait un malheur, promets-moi que tu continueras notre lutte jusqu'au bout. Ça suffit. Roxana! Roxana! Tu as pu la situer? Ah, j'ai un truc bizarre en fond sonore. Malheur, je t'en prie, dépêche-toi. Koura a toute une armée avec lui pour protéger son quartier général. Les détecteurs infrarouges couvrent tous les accès par la montagne. Côté mer? Impossible. 200 mètres de falaise à pic. Alors c'est par là qu'on passera. On ne pleure plus et on passe à l'action. J'ai réussi. Mais qu'est-ce que t'as réussi d'abord? Le drôle de son que j'avais. J'ai dû me le passer au maxi et filtrer tout ce qui me gênait et... Voilà, je sais ce que c'est. Hein? Raconte. Des vagues, mon vieux, qui tapent contre une coque. Et les prisonnières sur un bateau. C'est qu'il est malin, ce gars-là. À toi, Flavoy. Déplie-nous tes ailes. Position Fox 4. On survole une plage de nudistes. On va refaire un passage. Allons voir ce yacht. Ouais, c'est lui. À 2 heures. Flyboy a trouvé le bateau. C'est ça, souriez, bande d'abrutis. Qu'est-ce que vous fichez, Fox 4? Mission accomplie. Permission de rentrer à la base? Oui, Flyboy, tu peux rentrer. Émane-toi le train! C'est un 9 mm fabrication italienne. Elle est là. Quel est le programme? On y va dès qu'on sera prêt. Ah, et moi qui n'ai rien à me mettre? On attaque à l'aube. Vrai ou non? Ce coup-ci, c'est pour de bon. Je compte sur vous. Nous sommes sans fin prêts, patron. Quand ils sont là. Nash, tu pries ou quoi? Méditation. Que la force soit avec toi. Tu sais, Ballard, des fois je me demande si tu as quelque chose dans la cervelle. Très bien, messieurs. Dans 20 minutes, le départ. Allons-y. Deux équipes devront agir exactement à la même seconde. Sinon, c'est un arrêt de mort pour les otages. Nous passerons à l'action dans 3 heures exactement. Top! Nous avons reçu le feu vert. Nous sommes prêts. Souvenez-vous, messieurs, cette fois, c'est pour de bon. C'est ce que je leur ai déjà dit.
parlait de falaise à pic, il n'exagérait pas. Vous êtes sûr qu'elles ne font que 200 mètres? Un de nous pour aller jeter un œil. Par nous, je suppose que tu parles de toi. Ah. Hé, ne file pas. Je te couvre en cas de danger. Regarde armé sur le pont. On dirait qu'on va bien se marrer.
T'es là, Haines? Je sais pas ce que Confucius penserait de ça. Allons-y. Mais j'y suis déjà. Sans l'hélicoptère. Vite! Fox 4, on a fait le ménage. Non! Est-ce que ça va? Oui. Roy, tu m'entends, mon vieux? Roy! Fox 3 à commandement. La femme de Cassar et celle est sauve. Mais ce temps-là n'est touché. Gravement. Au revoir, médecin. Roy. Et Hassan? Je croyais que vous aviez appris à nous faire confiance. Ah!
Vous pourrez marcher ? Je vous le laisse, patron. La police t'attend dehors. Hein? Ne crie pas ou tu es mort, j'en ai pas fini avec toi. Passe devant. Fox 2 à Fox 1. Coura, pris le garçon, il monte sur le toit. Parfait, je m'en charge. Plus vite! Dépêche-toi! Ouvrez bien l'œil, Santo. Je ne veux pas de surprise. Pourquoi? Je ne veux pas tuer le petit garçon. Lâche ton arme, sinon tu me forceras à tuer cet innocent. Cinq secondes trop tard. 5 secondes trop tôt. Les gars. Salut, Roy. Ça va, mon pote? C'est pas génial. Je suis en train de décrocher. T'as trouvé un moyen de tirer au flanc, hein? Qu'est-ce que tu fous encore au lit à cette heure-ci? Je drague les infirmières. Ça ne m'étonne pas de toi.
entraîné de nombreux cas de désertion au sein de l'armée. Les personnalités responsables de l'arrivée au pouvoir du dictateur se tournent à présent contre lui et se joignent à la population pour demander son départ. Le dictateur, renié par son propre gouvernement, s'est d'abord réfugié dans son palais, escorté par sa garde personnelle. Un dispositif militaire a pris position autour du palais pour l'empêcher de s'enfuir, mais la situation devenant trop menaçante pour lui, le dictateur a finalement décidé de quitter le pays sous la protection de la police militaire qui l'a escorté jusqu'à la frontière du Sud, aujourd'hui en fin de matinée. Les aéroports du pays ont été fermés suite au mouvement révolutionnaire qui a balayé la capitale. Les citoyens se sont rassemblés dans les rues et sur les places des principales villes du pays, célébrant par avance le retour de leur président démocratiquement élu. Dans tous les cœurs, sur toutes les lèvres, le même nom revient, Kassar. Le docteur Kassar avait en effet triomphé lors des dernières élections. Nous avons une dette envers vous. Nous l'oublierons jamais. Mais nous n'avons fait que... Vous n'avez fait que votre travail, bien sûr, je sais. J'ai moi aussi une tâche à accomplir. Je dois retourner dans mon pays. La révolution est en route. Le gouvernement ne tiendra plus que quelques jours. Bonne chance. On décolle dans 5 minutes. Pas le temps de s'attendrir. On se reverra dans une autre vie, Flyboy. Tu crois pas vraiment à ce truc-là, hein? Il faut bien croire à quelque chose. Ouais. Et moi, j'ai bien assez réfléchi pour aujourd'hui. Et je dis que c'est bientôt l'heure d'aller avaler un whisky. Avec ton ami. Vincent, Kassar va avoir besoin de garde du corps. Pas question, ta mission est terminée, vieux. Et puis j'ai quelque chose pour toi ailleurs. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ben, je sais que tu en as bavé ce coup-ci en Méditerranée. Alors j'ai pensé t'envoyer dans un coin plus agréable. Je vais te mettre un peu au vert. Ça te plaira, ça sera comme des vacances. Au jardin d'Allah. Des jardins? Mais c'est un désert pourri!
1 minute 38 secondes. Tu peux vieux, Harris. On peut faire moins. Vous avez une excuse? Une excuse, nous sommes trop lents. Manque d'énergie mentale. Hey, Nash, tu vas nous lâcher avec ton cire? J'essaie de contrôler mes ondes cérébrales. Tu peux pas contrôler quelque chose que t'as jamais eu, vieux, hein? Qu'en penses-tu, Flyboy? J'aimerais avoir ton avis. Ben, on s'en est plutôt bien tiré. Malheureusement, c'est loin d'être suffisant, mon gars. Au football, on peut se contenter de jouer pas trop mal. Et avec de la chance, vous arriveriez à remporter le match. Dans le boulot qui vous attend, vous commettez une seule erreur et la sanction tombera aussitôt. Vous ne vivrez pas assez vieux pour comprendre ce qu'est le clocher. McLean, Virginie. Service de renseignement du quartier général de l'armée américaine. Les impérialistes occidentaux nous menacent à nouveau. Le président des États-Unis a osé envoyer sa 6e flotte au large de nos côtes. La cause du peuple arabe est une cause juste. Ils ne nous arrêteront pas. Nous lèverons une armée. Nous serons des millions. Nous envahirons les pays de l'Ouest. Empêcher ce fanatique de continuer. Et comment? Débarrassez-nous de lui. Le temps est compté. Faites vite. Une république arabe d'Afrique du Nord. Un grand pas en éliminant la plupart de nos ennemis. Mais Kassar est encore en vie. Tarekhlou, Baydaza. Ah, Salim. Toutes mes excuses, je vous ai fait attendre. Mon frère, tu es souffrant. Mon docteur le pense aussi, mais je devais vous remettre ces documents en main propre. Tu as très bien fait. Laisse-les-moi et rentre chez toi te reposer. Il faut progresser avec une grande prudence. Ne pas ameuter l'opinion publique. Je crains que ce ne soit déjà fait. Les provinces du Sud ont été infiltrées par les partisans de Kassar et la presse étrangère est de son côté. Nos alliés en Asie n'apprécient pas du tout ce genre de publicité. Peut-être pourrais-tu t'arranger pour que nos amis pensent que Kassar a été trahi par ses propres hommes, Salim. Je sais ce qui ne va pas, je ne suis pas aveugle. Tu travailles trop. Je vais t'accorder des vacances. Merci beaucoup, Excellence. Il faudra frapper qu'à coup sûr, attendre l'occasion d'agir.
Et une fois que Kassar sera éliminé, alors le destin de tout le peuple arabe sera entre mes mains. C'est moi qui déciderai. Dis-lui de nous laisser passer. Mes escadrons de la mort. Ils mettront fin à la vie du traître Kassar. Il veut tuer Kassar à cause de nous. Nous devons le protéger. Mes meilleurs hommes sont en Europe. Parfait. C'est une mission pour eux. Je pars ce soir. Terrain d'entraînement des forces d'intervention américaines en Europe de l'Ouest. On va se marrer un peu. Tu pourrais te faire engager dans une entreprise de démolition. Oui, pourquoi pas. Le karatéka frappe et aucun méchant n'en réchappe. Thank you.
D'accord, j'ai pas forcé aujourd'hui. N'en fais pas trop, je préfère te garder en vie. Ouais, moi aussi, je vous aime, patron. Colby a besoin de nous. Mais c'est le patron. Je savais bien qu'on était sur un gros coup. Je peux le dire. Ouais. Vous êtes prêt à aller distribuer la bonne parole? Je suis prêt. Ça fait si longtemps que je ne m'en suis pas servi, je ne sais pas si je serai encore. Tu parles de ton flingue ou bien du reste? T'as le sens de l'humour, hein? Elle est bonne, mon pote. Ouais! On passe aux choses sérieuses. Fini la rigolade. Je vous ai gardé à l'abri. Jusque-là, oui. Mais on a hâte d'en sortir. Harris, vous et ces trois bons à rien que nous avons perdu tellement de temps à former, vous avez été choisis pour, disons, une mission très spéciale. Et elle est officielle, cette mission? Non. Officiellement, il ne se passera rien. Cette conversation n'a même jamais eu lieu. T'as vu? On dirait que quelqu'un va bientôt faire le grand saut et changer de plan astral. Tu peux le dire en français? Il y en a un qui va passer l'arme à vous. C'est ça? J'espère que non pour vous. Figurez-vous que votre boulot sera justement que ce quelqu'un reste en vie. Un homme qui a une liste d'ennemis qui ne viendrait pas sur l'annuaire. Un homme qui aura besoin du genre de protection que nous sommes les seuls à pouvoir fournir. Est-ce que ça vous tente? Vous savez bien que oui. C'est bien. Île Baléares, mer Méditerranée. Je suis obligé d'accepter leur protection. Je n'ai pas le choix. Croit-il vraiment que tu as envoyé quelqu'un avec l'ordre de l'assassin? Quelle importance? Ça lui a fourni une raison de monter les gens contre moi et ça justifierait mon meurtre. Il ne te tuera pas, Cassa. Ah, crois pas, non. Mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Tu sais, Gamal, je me considère comme un homme d'une grande ouverture d'esprit. Bonjour, papa. La police vient d'appeler au sujet de ton discours. Ils ne veulent pas que tu prononces. Oui, ce serait plus prudent de ne rien dire. Oh, mais ça n'a rien de surprenant. Les risques doivent leur paraître trop importants. L'homme que tu as épousé n'a pas l'habitude de reculer devant le risque. Je sais. Mais je t'en prie, fais attention à toi. Est-ce que tu vas prononcer ton discours? Ton père fait toujours ce qu'il a décidé de faire, toujours. Ah ça, chef de la police veut te voir. Ah, la police, ça n'est jamais très agréable. Les vacances sont finies. Inspecteur Rodaguet, Monsieur Cassar. Alors, qu'avez-vous à proposer? Pour nous, la priorité est d'assurer votre sécurité. Pour moi, c'est le discours qui est prioritaire. Vous pouvez sans doute le repousser de quelques jours. Il n'en est pas question. Désolé. Vous pourriez donner une conférence de presse sur une autre île? Pas question de me dérober. Vous ne pourrez pas l'en empêcher. Inspecteur Rodaguet, allez-vous, oui ou non, me laisser prononcer mon discours? Je ne vous convaincrai pas. C'est parfaitement raisonné, vous vous rangez à mon point de vue. Allons-y, Diaz, on nous attend à l'aéroport. Vous savez, notre petite île était bien tranquille jusqu'à votre arrivée. Eh bien, mon cher, c'est une vie passionnante qui vous attend maintenant, grâce à moi. Je ne suis pas rassuré. J'ai l'impression qu'il s'attend pire. Peut-être a-t-il raison. Mais ça ne m'arrêtera pas, tu le sais. Thank you.
Il était là-haut. Après une scène, vous êtes là depuis 5 minutes et quelqu'un s'est déjà fait tuer. C'est un nouveau record. À la maison de mes parents. Ouais, tu prends tes désirs pour des réalités, ce père-là. Il y a des vies faciles partout dans cette île. C'est pas difficile, si t'es assez viril. Ça suffit, mon pote, je trouve ça débile. Là, t'as mis dans le mille. Docteur Cassard, vos gardes du corps sont arrivés. Vous êtes les meilleurs, à ce qu'il paraît. Puis-je vous présenter mon fils? Et ma femme, Roxana. Madame? Heureuse de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. De te revoir. Tu as l'air en forme. Comment va mon oncle? Il ne trouvera le repos qu'une fois que le traître sera passé en jugement. Bien entendu. C'est pour ça que tu es venu. Je ne suis pas venu seul. Les ennemis de notre révolution sont une épine dans notre pied. Nous devons agir très vite. Quand vas-tu frapper? Cassard commencera son discours sur la terre et le finira en enfer. As-tu pensé aux forces de police? Tu oublies que je suis un expert en ce domaine. Fais-moi confiance, j'ai tout envisagé. Même ça? Regardez bien. C'est sa protection américaine. Ils sont en ville depuis cet après-midi. Tant pis pour eux, je tuerai 5 hommes au lieu d'un seul. Commence.
Merci à vous, mes compagnons d'exil et de combat unis dans la même cause, la liberté. Dans notre pays sévit une curieuse maladie. Cette curieuse maladie n'est pas causée par la nature. Elle est causée par l'homme. Et seule l'action de l'homme saura faire reculer cette terrible maladie. Elle est plus connue sous le nom de dictature. Je dis que mon peuple a droit à la liberté comme y ont d'ailleurs droit tous les autres peuples sur notre terre. Ceux d'entre nous qui veulent la liberté doivent trouver le courage de se battre au nom de tous ceux qui ne peuvent le faire. Tous ces innocents, hommes, femmes et enfants qui sont sacrifiés chaque jour, nous devons nous battre pour eux. Nous battre pour cette cause qui nous concerne tous. La cause du bonheur de l'humanité. Notre peuple méprise ce tyran qui a imposé la dictature dans notre pays. Nous refusons d'agir selon sa volonté. Nous avons gagné les élections. Et quelle a été la réponse du tyran? Il a imposé l'état d'urgence. La loi martiale a été proclamée et il a essayé d'anéantir notre mouvement en nous menaçant publiquement de mort. C'est tout ce que cet homme a trouvé à répondre à la démocratie. Mais nous ne sommes pas vaincus. Nous n'accepterons jamais que...